le col du 21e siècle, le nouveau géant du Tour de France, l'escalier effrayant qui mène vers le bonheur. C'est en ces termes que Christian Prudhomme et Thierry Gouvenou présentent le col de la Loz, qui sera le point culminant du Tour de France. C'est là que s'achèvera cette 17e étape du Tour de France. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver ici à Grenoble pour vivre cette journée décisive du Tour de France. Il y aura aujourd'hui deux ascensions répertoriées hors catégorie, le col de la Madeleine et donc cette montée vers Méribel, le col de la Loz, la légende du Tour va s'inscrire aujourd'hui et s'écrire sur des routes et des territoires qui ont fait la légende et l'histoire du Tour de France. Grenoble, qui accueille pour la 41e fois de son histoire le Tour de France. La première fois, c'était en 1905, mais nous nous souvenons surtout qu'il y a donc un petit peu plus de 100 ans désormais, le premier maillot jaune du Tour de France était remis ici à Grenoble. Nous vous saluons évidemment ici dans l'aire de départ de Grenoble avec des conditions sanitaires très particulières. Une nouvelle fois, un départ à huis clos, mais vous êtes très nombreux à nous retrouver. Nous vous saluons les internautes qui nous rejoignent sur toutes les plateformes, YouTube, Dailymotion, Twitter et Facebook. Pendant une heure, vous allez pouvoir bien suivre la présentation des coureurs en amont du départ. Vous allez pouvoir bien évidemment, puisque c'est désormais bien possible depuis 3 jours, nous donner bien vos impressions sur cette présentation, interagir également avec les coureurs, les encourager, nous poser également vos questions. Il y en aura des questions aujourd'hui, car rappelons-le, il y aura deux ascensions dont les points culminants seront au-dessus de 2000 mètres. Le col de la Madeleine, le col ainsi de la Loz au-dessus de Méribel. Ce que nous vous proposons, c'est de découvrir le tracé de l'étape du jour. C'est en image et c'est en intégralité. Grenoble, Méribel, le col de la Loz, Grenoble, l'Isère, une nouvelle fois ici, cette terre de cyclisme. Nous sommes ici au cœur du site olympique de 1968. La première partie ne présentera pas de réelles difficultés. La vallée de l'Isère tout d'abord, le magnifique point de vue du côté de Saint-Pierre d'Alvar. La Rochette, attention, ce sera important en ce qui concerne le maillot vert. Peter Sagan face à Sam Bennett, le match continue. Aiguebelle ensuite, nous traverserons ces vallées, les belles vallées aujourd'hui entre l'Isère et la Savoie. Il y aura donc cette ascension, la première de la journée avec un premier passage inédit du côté de Mongé-la-Fraie, le col de la Madeleine hors catégorie à plus de 2000 mètres. Le col de la Madeleine nous permettra de passer ainsi de la Maurienne à la Tarentaise pour retrouver cette arrivée à Méribel où Bernard Thévenet s'était imposé en 1973. Mais là, il s'agira de continuer 7 km au-dessus de la station de ski dans cet ancien chemin forestier désormais asphalté. Le souvenir Henri Desgranges, évidemment, car ce sera le toit du Tour de France cette année qui culminera à 2304 mètres d'altitude. Quel programme alléchant! L'information, c'est qu'Egan Bernal, le tenant du titre, le coureur colombien, ne sera pas au départ de cette étape. Il est vrai que nous l'avions vu chuter sur les routes du Critérium du Dauphiné. Il se plaignait du dos depuis le début du Tour de France. Et finalement, du côté de la formation Ineos Grenadier, on s'est dit qu'il valait mieux arrêter ainsi. Donc Egan Bernal ne sera tout à l'heure pas au départ de cette étape avec ces deux ascensions que l'on va découvrir là aussi en détail. C'est important. Ces deux ascensions, ce seront les deux seules occasions pour le Tour de France cette année de passer au-dessus des 2000 mètres. Et là, on va découvrir le col de la Madeleine. C'est un classique du Tour de France, la Madeleine, qui a souvent été abordé par les coureurs du Tour de France. Lucien Van Impe est passé à 3 reprises en tête, Richard Virenque également. Mais là, par Mongé-la-Fraie, c'est un parcours inédit dans les tout premiers kilomètres. Nous retrouverons ensuite ces pourcentages au-delà de 10%, le replat. Et là, nous retrouvons après Saint-François-Longchamp, la route plus classique de la Madeleine, celle qui a souvent été empruntée par les coureurs du Tour de France à 27 reprises. On rappelle, Van Impe, Virenque, le panorama là aussi est superbe. Nous serons tout exactement à 2000 mètres d'altitude. Et ce sera donc cette première ascension hors catégorie de la journée. Le col de la Madeleine, c'est un long col, vous le voyez. Une longue ascension vers ce col de la Madeleine de 17 km à 100 avec 8,4% de moyenne. Mais attention à ces tout premiers hectomètres. C'est Bernard Hinault tout simplement qui avait appelé Christian Prudhomme en lui disant « Je pense que ce serait intéressant de passer du côté de Mongé-la-Fraie. On va découvrir également, avant de retrouver les toutes premières formations, l'ascension finale, celle du col de la Loz, découverte par le Tour de l'Avenir l'an dernier. C'était un Australien qui s'imposait, Alexander Evans.
Vous voyez donc le pied de l'ascension du côté de Bride-les-Bains. Là aussi, eh bien, c'est du classique. Le Tour de France y est déjà venu. C'était en 1973. Bernard Thévenet avait su dompter donc, avec le maillot de champion de France sur les épaules cette donc, ascension de Méribel. Ensuite, après être passé du côté des Alunes, nous retrouverons Méribel, 1415 mètres. Mais là, eh bien, c'est là que tout se corse, puisque c'est en fait une nouvelle ascension avec les 7 derniers kilomètres terribles. Des rampes qui dépasseront les 10%, puis les 20%. Et là, nous sommes sur les pentes de ski et nous sommes sur cet ancien chemin forestier avec un passage à 24%. Le panorama sera magnifique. Le final à 18%. Et voilà le sommet, donc l'arrivée. Méribel, Col de la Loze, souvenir Henri Desgranges. Le Tour de France peut se jouer aujourd'hui dans ses tout derniers kilomètres. On attend évidemment beaucoup de cette ascension inédite. Mesdames et messieurs, c'est l'heure H. C'est le moment de retrouver la présentation des coureurs du Tour de France. Des coureurs et regardez le premier, la première formation à se présenter, c'est l'équipe NTT, elle nous vient d'Afrique du Sud. Le tout premier coureur est autrichien, il était à l'attaque dans l'étape du Grand Colombier, c'est Michael Google, l'un des grands animateurs de l'étape qui est arrivé au sommet du géant de l'Ain. On va retrouver le grand Max Walshide, vainqueur en Malaisie cette année, c'était sur le Tour de Langkawi. À ses côtés, Ryan Gibbons, il va très vite, l'ancien champion d'Afrique, déjà des top 10 sur les routes du Tour, lui qui porte maillot de champion d'Afrique du Sud. À ses côtés, un homme qui avait brillé notamment sur la Classica San Sébastien, on se souvient également qu'il avait remporté le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, cinquième du Tour, c'est Roman Kreuziger, que vous retrouvez pour la République Tchèque. À ses côtés, un homme qui avait remporté le Het Nieuwsblad et l'Amstel Gold Race, c'est Michael Valgren. Et à la tête de cette formation, il est passé près de la victoire du côté de Lavaur, où il prenait la deuxième place. Mais il se souvient surtout que sur les routes du Dauphiné, il a remporté pas moins de 5 étapes. Et sur celle du Tour de France, il s'est imposé à 3 reprises. C'est Edvald Boasenhagen, le champion norvégien. Deuxième donc à Lavaur et 3 fois vainqueur sur les routes du Tour de France. La dernière fois, c'était à Salon de Provence, il y a 3 ans. Merci Michael, merci Edvald et merci à toute la formation NTT, la première équipe à nous retrouver. Eh bien oui, aujourd'hui, il faudra dompter ce col de la Loze. On va en parler évidemment en détail tout au long de cette matinée parce que c'est la découverte sur col tout à fait inédit sur les routes du Tour. Nouvelle formation qui nous retrouve, l'équipe Lotto-Soudal. Et oui, la formation Lotto-Soudal, l'objectif est simple pour cette équipe, c'est de mener son sprinter maison jusqu'à la victoire sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, passer une journée à tenir le coup tout simplement et à rentrer dans les délais quand on est un sprinter. Le premier à se présenter est allemand, c'est Roger Kluge, vainqueur d'étape sur les routes du Tour d'Italie. À ses côtés, vous l'avez reconnu, c'est le baroudeur de l'extrême. Il avait brillé dans l'étape de folie l'an dernier du côté de Saint-Étienne au Ventoux. En direction donc du Ventoux au Chalet-Reynard, il s'était imposé. Vainqueur à Nice, à Oudan, sur les routes de Paris-Nice, au Stelvio, sur le Giro. C'est Thomas de Gendt que l'on retrouve, le capitaine de route de cette formation. Ensuite, on va tout à la droite du podium pour vous présenter un coureur qui avait remporté la Coupe de Belgique. C'est Jasper de Beust. À ses côtés, toujours aux côtés de son leader des sprints, le poisson pilote, venu de Belgique également, Frédéric Frison. Et à la tête de cette formation, ce qui concerne les sprints, il avait découvert le Tour de France l'an dernier, victorieusement, en s'imposant à Nîmes, à Toulouse, puis sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées. Cette année, il s'est imposé à Sisteron. Et à Poitiers, 5 victoires d'étape en 2 participations. Pour The Pocket Rocket, le sprinter de poche de Sydney, mesdames et messieurs, c'est Caleb Ewan.
5 fois vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Bonne route et bonne chance, messieurs, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ce sera très compliqué pour eh bien, les sprinteurs. Il faudra tenir, il faudra rester dans les délais. Et pourquoi pas eh bien, viser une nouvelle fois la victoire sur les Champs-Élysées. Caleb Ewan, eh bien, c'est ce sprinteur dont on vous parle chaque jour parce que, eh bien, évidemment, il aimerait remporter une nouvelle fois ses Champs-Élysées. 5 victoires d'étape. C'est Simon Gerrans, l'ancien maillot jaune du Tour de France, qui nous parle du vélo de Caleb Ewan. My name's Simon Gerrans, yellow jersey in the 2013 Tour de France, and this is Caleb Ewan's bike. It's Caleb! We're going to talk about the gear combination on Caleb's bike. Caleb uses a 54-11 combination, meaning there's 54 teeth on the front chainring, 11 on the rear. For every pedal revolution, Caleb's bike is going to move forward a little over 10 metres, meaning at 75 kilometres an hour, Caleb has to turn that gear at approximately 120 revolutions a minute. Caleb's nickname is the Pocket Rocket. This is not only due to his small size, but his very unique sprinting technique. Caleb sprints extremely low and extremely far forward. His team have designed this custom downshift here to enable Caleb to downshift gears while sprinting. This bike is built purely for speed. Aerodynamics are everything. Deep dish wheels, aerodynamic tubing, and no cabling exposed. The UCI minimum weight limit for a racing bike is 6.8 kilos. This bike is 7.4 kilos. The reason this bike is slightly heavier is because they've used more material in the frames to make it stiffer. Sprinters need extremely stiff bikes because they're putting out a lot of power and putting a lot of flex through the frames. Every little detail has been thought of for a sprinter to reach maximum speed and give them the best chance of winning a stage of the Tour de France. Caleb Ewan, mais ce ne sera pas la journée des sprinteurs aujourd'hui, nous vous le disons, ce sera la journée des grimpeurs et plus encore eh bien, des rois du punch en haute montagne, ceux qui adorent les très forts pourcentages. Peut-être que les Colombiens seront eh bien, à leur avantage, eux qui savent dompter les sommets de plus de 2000 mètres. Peut-être qu'un coureur français, pourquoi pas, à l'image d'un Julien Alaphilippe qui était dans le top 10 hier, eh bien, pourront se mettre en évidence. Warren Barguil était également très à l'aise, on l'a vu sixième de l'étape d'hier et premier français. Deuxième volet isérois aujourd'hui, mais hier c'était une étape 100% iséroise entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans avec un jeune champion allemand qui s'impose. On revient en image l'étape d'hier. Quentin Paché qui est repris à l'instant par les quatre poursuivants, Reichenbach, Carapaz, Kemna et Alaphilippe. Et d'ailleurs il attaque Lennart Kemna. Bon, c'est vous, c'est à 20 km de l'arrivée. Première victoire sur ce tour, amplement mérité, il a 24 ans, Lennart Kemna. Lennart Kemna qui était passé près de la victoire du côté du Puy-Marie. Eh bien, hier, c'était jour de gloire pour celui qui s'était déjà imposé sur les routes du Critérium du Dauphiné. C'était d'ailleurs sa première victoire professionnelle. Quel beau succès pour ce champion allemand. Il est d'ailleurs le premier coureur allemand de la formation allemande Borans-Grohe à s'imposer. Une formation où l'on attendait le premier succès en 2020 pour Peter Sagan sur les routes du Tour de France. Mais finalement, eh bien, c'est Lennart Kemna qui s'impose. Un petit coup d'œil d'ailleurs sur le classement de l'étape parce qu'on voit qu'il y a eu un beau tir groupé des coureurs tricolores. Il est vrai que cette étape aurait dû se dérouler le 14 juillet. Voilà qui donnait eh bien, des idées. Vous l'avez vu à notamment Quentin Paché qui termine 9e de l'étape. Julien Alaphilippe, on en a parlé également, eh bien, aura tout tenté, 10e de cette étape. Mais quand on regarde eh bien, la tête et le podium, c'est donc bien Lennart Kemna, l'ancien champion du monde espoir, qui s'impose devant Richard Carapaz, qui découvre le Tour de France, le vainqueur du Tour d'Italie 2019. Sébastien Reichenbach vient apporter à la formation Groupama FDJ un petit peu de réconfort avec les pépins de Thibaut Pinot en apportant
important dans ce premier podium d'étape. Pavel Sivakov, qui lui aussi découvre le Tour de France, le franco-russe, dont on dit beaucoup de bien et qui a été malchanceux du côté de Nice, est en train de remonter petit à petit au niveau de sa forme. Et puis Simon Geschke, elle se souvient qu'il avait bien remporté l'étape de Praloux. Il revient également en forme, nous le disions. Warren Barguil est le premier Français en sixième position pour la formation Arkéa-Samsic. Tish Benoît, qui est en forme, il l'a démontré, tout comme sa formation Sunweb. Nicolas Roche est huitième de la même formation. Et nous le disions, Quentin Paché réalise un nouveau top 10. Et Julien Alaphilippe, une nouvelle fois, démontre qu'il n'aura pas déposé les armes. L'homme qui a porté durant 17 journées le maillot jaune. Je crois que c'est en train de bouger du côté du podium de départ, ici dans l'air, où les formations viennent nous retrouver. Ils sont en train de se préparer dans quelques instants. Il est vrai que juste à côté de nous, bien, c'est toute la presse internationale qui, comme ça, bien, interroge chaque matin les coureurs, leur donnant leurs impressions. On aimerait nous aussi tendre le micro aux coureurs du Tour, mais on ne peut pas, évidemment. On rappelle que nous sommes dans une période sanitaire très particulière. Nous vous voyons ici tous arborer vos masques, les masques, le gel, bien sûr, ainsi que pas de selfie, pas d'autographe cette année, et 2 mètres. Donc, c'est la séparation par rapport aux coureurs. Allez, on me dit qu'on est en train de se préparer du côté des nouvelles équipes. Eh bien, on accueille une formation venue de Pologne, c'est la formation CCC Team. Les maillots oranges, les oranges mécaniques ne viennent pas des Pays-Bas cette année, mais viennent de Pologne. Le premier coureur à nous retrouver, souvenez-vous, il était quasiment tous les jours à l'attaque sur les routes du Tour de France en 2013, où il était super combatif. Vainqueur à Vizoul sur les routes du Dauphiné, c'est Alessandro De Marchi. On vient d'en parler à l'instant, il a terminé 5e de l'étape d'hier. Il avait remporté l'étape de Praloux, c'est Simon Geschke. À ses côtés, premier attaquant du Tour cette année. Il avait également été à l'attaque sur les routes du Dauphiné, l'ancien champion de Suisse, Michael Schär. On continue en présentant un coureur qui avait brillé au Tour de la Provence cette année, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de l'Avenir, c'est Jonas Kor. L'accueil des concurrents de cette formation avec un homme qui fut champion d'Europe, vice-champion du monde et 3 fois vainqueur d'étape sur le Tour, c'est Matteo Trentin. À ses côtés, à votre droite, et lui, eh bien, nous vient de la République tchèque. Il a 29 ans, c'est son premier Tour de France. Ancien vainqueur du Tour d'Autriche, c'est Jan Hirt. Et à la tête de cette formation, mesdames, messieurs, il était heureux de retrouver les routes qu'il avait couronnées du côté du Lioran. C'était l'une des 2 étapes qu'il avait remportées. Vainqueur également à Rodez. Il a porté le maillot jaune, il a remporté Paris-Tours. Le Het Nieuwsblad, Paris-Roubaix. Le champion olympique de Rio, Greg Van Avermaet. Le leader de la formation CCC, bonne chance, bonne route, messieurs. Et oui, l'homme en or de Rio, qui s'était transformé en homme en jaune sur les routes du Tour de France, avec cette formation où il y a des baroudeurs, où l'autre jour, du côté de Lyon, Matteo Trentin a tenté de récidiver après sa victoire de 2013. Dernier 7e de l'étape lyonnaise. Une nouvelle formation nous rejoint. C'est la formation Israel Startup Nation. Regardez, on arrive au sprint, hein, du côté de Chris Neyland. Lui aussi était dans les tout premiers attaquants du Tour de France. Il est motivé et déterminé, à l'image également de celui qui le rejoint sur le podium, Longiligne athlète venu d'Allemagne. Il avait terminé 2e à Sisteron, 2e de Paris-Roubaix. C'est Nils Polite. À ses côtés, il est le premier coureur israélien à disputer le Tour de France. Il avait disputé également le Giro qui partait de Jérusalem. C'est Guy Nive. On va retrouver un coureur venu de Belgique dans cette formation. Il avait brillé au Tour d'Oman. Il était dans le top 10 au Tour de Lombardie. Ancien vainqueur d'étape du Tour du Yorkshire, c'est Ben Hermans. On continue l'accueil des coureurs avec un homme venu de Belgique également, vainqueur de Binche et de Cholet Pays de Loire, c'est Tom Van Asbroek. À ses côtés, vous avez reconnu le sculptural coureur venu d'Allemagne, de Rostock plus précisément. Rendez-vous compte, 156 victoires au compteur, 11 étapes sur les routes du Tour, dont 2 fois sur les Champs-Élysées. C'est le gorille de Rostock, André Greppel. À l'extrême droite du podium, il est français, il nous vient d'Alsace. Il avait remporté le classement général de la Coupe de France. C'est le sprinter Hugo Hofstetter. Et à la tête de cette formation, il est irlandais. Il a remporté 2 monuments du cyclisme, le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège. Vainqueur d'étape à 2 reprises sur les routes du Tour, à Bagnères-de-Bigorre et à Mur-de-Bretagne. C'est le champion irlandais Dan Martin.
Dan Martin et tout le collectif Israël Startup Nation, bonne route, bonne chance messieurs. Et dans cette formation qui découvre le Tour de France, vous le voyez, il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs. Et aujourd'hui, c'est le col de la Loz qui pourrait inspirer Dan Martin, le champion irlandais, le neveu de Stéphane Roche. Bonne route au Gorille de Rostock. Et puis les sprinteurs avec Hugo Slater, qui se dit que ce sera une journée compliquée à aborder aujourd'hui. Il faudra tenir dans les roues. Au moment où nous accueillons les successeurs de Thomas Vauclair, les baroudeurs de la formation Total Direct Energy. Ah, j'ai bien peur que le coureur français soit victime de crampes. Victoire sur le Tour de France. Et c'est un autre baroudeur de l'extrême qui nous a retrouvé, le baroudeur du micro, Marc Chavet, qui va venir nous retrouver dans quelques instants. Mais tout d'abord, mesdames et messieurs, vous les reconnaissez, lui a été l'un des premiers attaquants également du Tour de France. Il a porté le maillot à poids, l'homme désigné en Vendée, c'est Fabien Grelier. Lui aussi est vendéen. Lui aussi, eh bien, se sera montré à son avantage. Il est l'un des plus jeunes participants au Tour de France 2020. L'homme venu de Noirmoutier dans le top 10 au championnat du monde espoir, c'est Mathieu Burgodeau. On continue l'accueil de ses concurrents avec un homme qui avait brillé au début de sa carrière. C'était sur les roues du Tour de l'Avenir qu'il remportait. Il était ensuite champion du monde dans les rangs espoirs, le coureur basque Romain Sicard. Un homme qui brille en Coupe de France, il avait démontré au Classique Loire-Atlantique et il avait démontré également au Grand Prix La Marseillaise. Cette année, il était dans le top 5 des championnats de France, c'est Anthony Turgis. Lui était heureux de retrouver l'un, son département. Il fut, souvenez-vous, champion de France Espoir et vice-champion d'Europe, c'est Geoffrey Soupe. Et à la tête de cette formation, il ne sera pas sur son terrain préféré aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en Isère, il avait remporté à la Côte-Saint-André une superbe étape sur la course au soleil cette année, vainqueur de la Tropicale Moussa Bongo et du Grand Prix de Lugano. L'homme venu de Cuneo dans le Piémont italien, c'est Niccolò Bonifazio. Niccolò Bonifazio et tout le collectif Total Direct Energy, cette formation managée par Jean-René Bernaudeau. Bonne route, c'est qui attaque aujourd'hui? Romain? Fabien? Anthony? Fabien pour le maillot à poids, pourquoi pas? C'est vrai que c'est très tenu entre les positions dans le maillot à poids qui sera porté pour la 15e journée consécutive par Benoît Cosnefroy. Voilà, très heureux de retrouver Marc Chavet également sur le podium. Il va être équipé dans quelques instants, mon cher Marc. Ah, c'est un collectif qui s'est mis à son avantage lors de ces dernières journées, le collectif Sunweb. Exactement, mon cher Michel Gélisée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici dans cette localité de Grenoble avec la formation Sunweb en train de prendre place sur le podium. On commence à l'extrémité gauche. Il représente les Pays-Bas, 24 ans, premier grand tour. Premier Tour de France pour Joris Nieuwenhuis. À ses côtés, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Il a terminé deuxième et troisième d'étape sur les roues du Tour cette année. C'est Kees Bol. Aux côtés de Kees, lui aussi, un cours. Oh, il vient du Danemark à 26 ans. Troisième participation sur les routes du Tour de France. Il a terminé troisième à Saran. Il s'est imposé à l'occasion de l'étape de Lyon avec une somptueuse sortie à 3 km de la ligne. C'est Søren Krag Andersen. À ses côtés, on va retrouver un coureur eh bien, qui a brillé. C'était à Copenhague. C'était au championnat de. À Hernik, plus précisément. Mais il est de Copenhague. C'était au championnat d'Europe Espoir. Kasper Pedersen. Aux côtés de Kasper, lui représente l'Allemagne, 28 ans, quatrième participation au Tour, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta, du Giro d'Italia, du Critérium du Dauphiné, c'est Nikias Arndt. À ses côtés, ah, il était à l'attaque dans l'étape d'hier, il prend une très belle 8e place donc, dans cette étape qui s'achevait du côté de Villard-de-Lans. Vous vous souvenez que sur les routes du Tour, il avait terminé à 12e place du classement général, deux fois vainqueur d'étape sur la Vuelta, c'est Nicolas Roche. Et aux côtés de Nicolas, il représente la Suisse, originaire de Berne. Premier grand tour, premier Tour de France, deuxième à Nice à l'occasion de la deuxième étape. J'ai derrière Julien Alaphilippe. Il a remporté l'étape de Saran, mesdames et messieurs. C'est Marc Hirschi. Et dans cette formation, lui aussi était à l'attaque dans l'étape d'hier. Il prend la 7e place de l'étape de Villard-de-Lans. Mais souvenez-vous, sur les routes de Paris-Nice, il remportait l'étape de Apt. Il terminait deuxième du classement général. Le vainqueur d'Estrade et Bianchi, Tige Benoît. Tige Benoît et le collectif Sunweb, un collectif offensif, un collectif qui montre jour après jour sur les routes du Tour qu'ils ont effectivement des armes, qu'ils ont eh bien, des techniques à faire valoir. En tout cas, on a hâte de voir ce que cette équipe va nous proposer dans les jours à venir, la formation Sunweb. Oui, Hirschi avec Krag Andersen également, vainqueur d'étape. Ils sont quasiment tous les jours à l'attaque. Hein. Au moment où nous retrouvons une nouvelle formation, et là aussi ça va monter d'un ton du côté de l'applaudimètre, la formation Groupama FDJ. L'équipe Groupama FDJ qui nous retrouve sur scène.
Alors on sent effectivement que du côté du public qui nous regarde au village, on va pouvoir les applaudir comme il se doit d'ici quelques instants, mesdames et messieurs, que le coureur puisse prendre du carburant. Il a 24 ans, il découvre le tour cette année. Il a terminé quatrième de l'étape du Puy-Marie, c'est Valentin Madouas. À ses côtés, il était heureux de retrouver Vence. Vence, c'est eh bien son lieu de résidence. C'est là aussi qu'il s'était imposé sur la course au soleil il y a 2 ans. Il a porté le maillot rouge sur la Vuelta, c'est Rudy Mollard. Un petit peu plus loin, cette revue d'effectifs continue avec le palois du peloton international à 35 ans, ancien vainqueur de la Polynormande, les 4 jours de Dunkerque, c'est Mathieu Ladanius. Lui a apporté hier son premier podium à la formation Groupama FDJ sur le Tour de France cette année. 3e de l'étape de Villard-de-Lans. Il avait terminé dans le top 1 l'an dernier du Tour de France, le champion de Suisse Sébastien Reichenbach. Et mesdames et messieurs, la tête de ce collectif Groupama FDJ, il a 30 ans, il en est à sa 8e participation sur les routes du Tour de France. Il a gagné un monument du cyclisme, le Tour de Lombardie. Il a remporté les étapes sur les 3 grands tours, dont 3 sur les routes du Tour de France. 3e du classement général par le passé. L'accueil de Grenoble pour Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui continue au courage avec toute sa formation Groupama FDJ. Alors évidemment, David Gaudu ne sera pas au départ. On pense évidemment à lui. C'était trop compliqué. Mais bonne chance à cette formation Groupama FDJ qui n'a pas été ménagée par la malchance. Hein, puisque dès la première étape, 7 des 8 coureurs étaient à terre, dont Thibaut Pinot, et qui traîne eh bien, cette douleur et qui continue parce qu'il va arriver chez lui dans quelques jours. Oui. Et c'est au courage qu'il continue alors qu'il aurait eh bien, toutes les raisons d'arrêter. Mais il continue pour le public, pour lui, pour sa famille. Et ça, c'est beau. Bien sûr, vous avez raison de parler de ce qui s'est déroulé à l'occasion de la première étape du Tour avec eh bien, cette chaussée particulièrement glissante. Bon nombre de coureurs auront mangé du bitume à cette occasion-là. L'équipe Arkea Samsic nous retrouve désormais. Un coureur qui est d'ores et déjà en place tout à gauche, mesdames et messieurs, du podium officiel. Il a 28 ans, 6e participation au Tour de France pour ce double vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Il avait gagné l'étape 2 fois, 14 juillet. Il est entré dans la légende à l'Izoard. Mesdames et messieurs, l'ancien champion de France sur route, Warren Barguil. Premier Français de l'étape d'hier, 6e à Villard-de-Lans. Warren Barguil, les bonnes jambes sont là. À ses côtés, lui, nous vient de Colombie. Il est né à Bogota. Sa première victoire professionnelle, c'était dans les Pyrénées, dans la station de ski d'Aramon, sur la Vuelta. Winner Anacona. On continue cette revue d'effectifs du collectif de l'équipe Arkea Samsic. Lui aussi est colombien, il a 28 ans. Il découvre le Tour de France cette année, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Colombie, le Tour d'Autriche, Dyer Quintana. Autre néophyte du Tour, mais lui vient de Grande-Bretagne. Il fut d'ailleurs champion national, c'était il y a 2 ans de cela. Il était dans les premiers au Tour du Yorkshire. C'est Connor Swift. La revue d'effectifs continue par ce coureur de 25 ans qui était sur ses terres il y a quelques jours. La ville de Lyon qui découvre le Tour cette année, ancien vainqueur du Tour de la Communauté de Madrid, c'est Clément Russo. Et oui, qui a de nombreux admirateurs et amis ici en Isère. Sa famille eh bien, est toujours ici en Isère et à ses côtés. Eh bien, il fut champion du monde dans les rangs espoirs. Il avait brillé également au Classique Loire-Atlantique au Tour du Jura. C'est Kevin Le Danois. Et mesdames et messieurs, la tête de ce collectif, Arkea Samsic, il est originaire de Cumbita, Colombia. Il a 30 ans, il en est à sa 7e participation sur les routes du Tour de France. C'est un coureur qui s'est imposé en enlevant le classement général du Giro d'Italia, le classement général de la Vuelta a España, 2 fois 2e du Tour de France, triple vainqueur d'étape. C'est Nairo Quintana. Nairo Quintana et tout le collectif Arkea Samsic, bonne chance, suerte à ce collectif qui, eh bien, le collectif breton qui a pris l'accent espagnol avec ses recrues, donc Dyer, Winner et Nairo Quintana. Nous sommes ici à Grenoble. Grenoble, c'est évidemment, eh bien, ici que s'est écrit la légende du Tour de France. Souvenez-vous, c'était en 1919, le 19 juillet, très précisément, c'était la première fois que le maillot jaune apparaissait sur le Tour de France. On revient en image avec Eugène Christophe, le premier porteur du maillot jaune, ce moment, le premier maillot jaune sur les routes du Tour. Monsieur Alphonse Bouger, très intelligent, et vous, monsieur Desgranges, voyez-vous, les gens, ils cherchent ils cherchent celui qui est le premier du classement.
Il n'y a aucun signe distinctif pour reconnaître celui qui est premier au classement général. Alors, ça, c'est drôle. Et j'estime que le coureur qui est premier au classement général, il devrait avoir un maillot spécial. Alors, on lui dit, c'est Zig, parce que des grands, il appelait M. Alphonse Baugé, il l'appelait c'est Zig. C'est Zig, vous avez raison. Alors, eh ben, comment qu'on pourrait faire? Ben, je sais pas, moi, mais qu'il ait un maillot spécial, quoi. Pas un maillot jaune, quoi, comme l'auto. À cette époque-là, c'est le journal l'auto, à cette époque-là. Oui, oui, c'est alors, ils l'ont donc... Ah, vous avez raison. Allez, hop, allez, bon. Ben, commandez-moi des maillots jaunes tout de suite. Alors, saisi, on arrive à l'étape le soir, il téléphone à Paris qu'on fasse des maillots jaunes. Le temps qu'on fasse des maillots jaunes et qu'on me les envoie, les cherche à Grenoble. Le 19 juillet 1919 à Grenoble. J'ai reçu un bon paquet de 6 maillots, pour continuer à courir. Voilà, séquence souvenir, émotion, évidemment, avec le premier maillot jaune remis. C'était le 19 juillet 1919. Une plaque commémorative, d'ailleurs, a été inaugurée l'an dernier devant le café de l'ascenseur, Marc Chavez. Et hier, eh bien, et surtout l'an dernier, lors du centenaire, eh bien, nous étions à Pau. Et c'est d'ailleurs le maillot jaune, le coureur Julian Alaphilippe, qui s'imposait à Pau, maillot jaune sur les épaules. Oui, un magnifique contre-la-montre individuel à Julian Alaphilippe, qui portait eh bien, cette tunique distinguée. Tout simplement la tunique la plus convoitée du cyclisme professionnel. On va en profiter pour saluer nos amis qui nous suivent sur Internet. Évidemment, vous le savez, tous les jours sur les routes du Tour de France, la présentation des coureurs est retransmise en direct sur YouTube, Facebook Live, Dailymotion, ainsi que Twitter. On nous regarde partout en France, partout sur les terres francophones, mais aussi du côté des terres anglophones. Ladies and gentlemen, from wherever you're watching around the world, it is great to have you with us. Welcome to the Tour de France official rider sign-on podium. We're just moments away from the start of stage 17 of the 2020 Tour de France. Great to have you. Et bonne chance. Pédaler, pédaler, pédaler. Jamais s'arrêter. Sans beaucoup de groupe, on ne fera les rapper. Même si le monde. Bon, alors, l'information B&B Hotel. Vital Concept nous retrouve. Allez, regardez les Men in Glass qui sont très applaudis. C'est vrai que c'était la journée des Men in Glass hier. Et je vois quand t'as fâché qui dit ouais, on était à l'avant avec hier. On a fait le travail, on s'est montré. Et le premier à venir nous retrouver, ben lui, il nous vient de Belgique. Il avait brillé notamment en championnat national. C'est Jens de Bucher. Aux côtés de Jens, il a 28 ans, il découvre le Tour de France cette année, mais quelle performance avec un S, 4e à Saran, 7e à Loudenviel, 9e à Villard-de-Lans, c'est Quentin Paché. Il est en forme, Quentin, il a encore démontré hier. Lui aussi est en forme. Un seul objectif, c'est le maillot à poids. Et il a marqué des points une nouvelle fois. Vous l'avez tous reconnu, vous vous souvenez de ses victoires de prestige à la Toussuire, à l'Alpe d'Huez. Il avait terminé 4e du Tour d'Italie. Et pourquoi pas cette année? Meilleur grimpeur du Tour, mesdames et messieurs, c'est Pierre Roland. Allez, drapeau des Men in Glass hein, s'agite évidemment du côté du public, côté village. On continue cette présentation des coureurs avec ce coureur de 32 ans, 3e participation au Tour pour celui qui termine 3e de Paris-Camembert, 3e des championnats de France et 2 fois 3e sur des étapes de la Vuelta. Et en plus, ça rime, c'est Kevin Reza. Lui, c'est le plus glads des Men in Glass, le breton, ancien champion d'Europe. Il a brillé en Coupe de France à Paris-Camembert, au Tour du Finistère, à la route à Adélie de Vitré. C'est Cyril Gauthier. Un petit peu plus loin sur le podium, mesdames et messieurs, lui porte fièrement ses couleurs à 21 ans, première participation au Tour, premier grand tour, c'est Maxime Chevalier. À ses côtés, lui aussi fait partie de la jeune garde de cette formation. Il découvre le Tour de France après avoir déjà remporté des top 10 sur la Vuelta. Champion de France dans les rangs espoirs, le Béarnais, Cyril Barthes. Et à la tête de cette formation B&B Hotel Vital Concept, mesdames et messieurs, il a 28 ans, 4e participation sur les routes du Tour de France pour ce coureur qui a terminé 2 fois 2e par le passé, 3e cette année à la mort. Il est à ça de la victoire. Un jour, ce sera bon. Mesdames et messieurs, c'est le coq, Brian Coca. Brian Coquart qui a tenu à ce que Mano eh bien, les accompagne dans l'Orient durant toute la journée. C'est la musique officielle, les Men in Glass qui nous accompagnent. Cyril Barthes, il était plus habitué au folklore basque. Et désormais, eh bien, c'est avec cette musique que les Men in Glass seront une nouvelle fois à l'attaque. Parce qu'on les voit bah, quasiment tous les jours à l'attaque. Et hier encore, l'objectif pour Pierre Roland, c'était de prendre des points, égalité de points face à Benoît Cosnefroy. D'ailleurs, on a vu un tweet sympa hein, avec. Vous savez, la possibilité.
retweeté sur le Twitter, le compte Twitter des Centres Leclerc, de gagner un maillot à pois. Bah, il a retweeté pour pourquoi pas gagner le maillot à pois. C'est pour ça que vous étiez super actif sur les réseaux sociaux hier. Vous cherchiez à gagner ce maillot à pois, Michel. Bien évidemment, on va saluer, on le disait, nos amis sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook Live, Dailymotion et YouTube, qui nous envoient des commentaires en direct. Cyril nous dit « Je vois Pogacar prendre quelques secondes et attendre samedi pour prendre le maillot jaune ». Christophe Elio qui nous demande si cette étape peut être décisive pour le Tour. Ben c'est vrai qu'en passant sur le toit du Tour, on a toutes les chances de voir aujourd'hui le classement général se dessiner. Et puis Véronique nous dit « Hâte de voir l'étape ». Bien évidemment, à suivre en intégralité sur les antennes de France Télévisions. Paolo de Naya Fortes nous salue de Lisbonne également. Exactement, et puis vous pouvez continuer ainsi. On voit Cyril Lafosse qui nous demande également si des surprises pourraient arriver, notamment une attaque de Landa au col de la Madeleine. Tiens, pourquoi pas avoir le coureur basque à l'attaque. Oui, excellente remarque. En effet, voilà les messages donc qui continuent de couler en direct comme cela sur les réseaux sociaux. En tout cas, très heureux de vous avoir avec nous. C'est également le cas pour nos amis villageoises et villageois qui sont bord barrière. Mon cher Michel, une autre formation, une autre équipe va nous retrouver d'ici quelques dizaines de secondes. Nous sommes en attente d'avoir les dernières unités pour que cette formation soit tout simplement au complet. L'occasion pour nous de rappeler que la localité de Grenoble nous accueille pour la 41e fois de l'histoire. Et c'est vrai qu'on peut se souvenir de ce qui s'était déroulé en 2011, notamment c'est à Grenoble, dans la penultième étape, que Cadel Evans s'empare du maillot jaune aux dépens d'Andy Schleck. Et le lendemain, donc, il devint le premier Australien à remporter le maillot jaune. Grenoble, capitale des Alpes, capitale du Dauphiné. On se souvient des Jeux Olympiques d'hiver 1968. Puisque nous sommes sur l'ancien site olympique des Jeux de Grenoble 68, inauguré à l'époque par Charles de Gaulle, tout simplement, qui avait réalisé l'ouverture officielle au moment où on continue l'accueil des coureurs sur le podium avec la formation Cofidis. Cofidis, solution crédit, cette formation qui est emmenée là par un coureur venu d'Espagne, il fut champion national. On l'a vu payer du côté du Mont Ventoux, dénivelé challenge. Et puis vous vous souvenez qu'il avait remporté l'étape des Monts du Forêt sur les routes du Critérium du Dauphiné. C'est Jesús Herrada. Au côté de Jesús, lui est originaire de Bourg-en-Bresse, ancien vainqueur de Paris-Camembert ou de la Polynormande. C'est PLP, Pierre-Luc Périchon. Lui, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, 9 fois victorieux en 2019. Il était passé près de la victoire à Pau sur les routes du Tour de France derrière Arnaud Démare. C'est le coureur venu de hier dans le Var, Christophe Laporte. Aux côtés de Christophe, nous avons un représentant italien dans cette formation. Il a 31 ans, troisième participation au Tour de France pour ce coureur qui s'est imposé sur les trois grands tours. L'année dernière, c'était à Nancy qu'il enleva l'étape qui lui manquait pour rejoindre le carré Super Select et VIP des vainqueurs d'étape sur les trois grands tours. Sixième à Nice, quatrième à l'île de Ré, c'est Elia Viviani. On va rester du côté de l'Italie avec ce coureur qui a remporté de nombreuses médailles sur piste. Il fut vice-champion du monde espoir, troisième à Lyon, c'est Simone Canzoni. Et à l'extrémité droite du podium, mesdames et messieurs, 32 ans, 8e participation au Tour pour ce vainqueur du Tour du Limousin il y a deux saisons de cela, 5e du Haut-Var, c'est Nicolas Hédé. Et à la tête de cette formation, on sait qu'il tente tout depuis le début du Tour de France. Il sera sur son terrain préféré aujourd'hui. Il a terminé 12e du Tour l'an dernier, 3e du Critérium du Dauphiné cette année. Mesdames et messieurs, le grimpeur venu de Normandie, Guillaume Martin. Sur son terrain aujourd'hui, deux ascensions vers les 2000 mètres. 2000 mètres, le col de la Madeleine. 2304 mètres, le col de la Loze. Vous êtes allé le repérer, Guillaume? On le connaît? Il le connaît, Guillaume Martin. Cette ascension finale vient vers le col de la Loze. Redoutable, hein, une montée en escalier. Des pourcentages à 24%. Hein. Ah oui, les derniers kilomètres sont extrêmement difficiles. On va avoir du spectacle cet après-midi, sans aucun doute, sur les routes du Tour de France. Cette étape, certains la qualifient de l'étape reine, tout simplement, de cette édition 2020. Voilà, Stéphane, à la réalisation, nous propose de découvrir le col de la Loze en images. Excellente idée. On va simplement pouvoir peut-être regarder le profil de cette étape. Méribel, col de la Loze qui nous accueillera tout à l'heure. C'est une ascension longue de 21,5 km à 7,8% de déclivité moyenne. Nous atteindrons le toit du Tour cette année à 2304 mètres, tout simplement. Le souvenir Henri Desgranges. L'an passé, c'était évidemment le col de l'Iseran à 2770. Mais là, on découvre un petit peu les spécificités. Là, vous pouvez suivre avec les couleurs la difficulté finalement de l'ascension sur ces 21,5 km. Et lorsqu'on atteint des segments noirs, on est au-delà des 9% de déclivité moyenne, c'est absolument colossal.
Voilà, c'est en deux parties avec les 7 derniers kilomètres sur cette partie, cet ancien chemin forestier, ces pistes de ski qui ont été asphaltées, bitumées très récemment, et le passage 24% à quelques encablures de l'arrivée, 18% ensuite. Voyez le final, les deux derniers kilomètres sont terribles pour les moins grimpeurs. Et là, eh bien, il y aura sans doute des écarts aujourd'hui, ce sera important en ce qui concerne l'étape, évidemment. Mais le classement général se jouera sans doute aujourd'hui aussi. Oh, y a, quel spectacle en perspective. On regarde un petit peu ce qui se passe au pied du podium. Des coureurs qui s'arrêtent du côté de nos amis de chez Vittel, l'eau officielle du Tour de France, naturellement, pour s'hydrater tout au long de cette journée qui s'annonce d'ores et déjà chaude. Et puis nos amis de chez Named Sport, la nutrition sportive scientifiquement développée pour encourager les pratiquants de sport, quel que soit le niveau d'ailleurs, que ce soit avant, pendant ou après l'effort, grâce à Named Sport. Il y a forcément un produit pour vous. On continue l'accueil des coureurs avec la formation australienne, c'est l'équipe Mitchelton-Scott. La formation Mitchelton-Scott, cette équipe australienne qui avait connu son premier maillot jaune à Nice en 2013. Et là, on va retrouver bien un coureur qui fut le premier coureur colombien de l'histoire à remporter un monument du cyclisme. C'était le Tour de Lombardie la même année. Il montait à la fois sur le podium du Giro et de la Vuelta, l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, Esteban Chavez. Aux côtés d'Esteban, il nous vient d'Espagne, il a gagné sur le Giro, la Vuelta et sur le Dauphiné aussi, c'est Mikel Nieve. Premier coureur du continent africain à porter le maillot jaune sur les roues du Tour de France. Vainqueur à Brioude l'an dernier, Daryl Impey. Aux côtés de Daryl, il représente la Slovénie, vainqueur d'étape sur les roues du Giro d'Italia. C'est Luca Mesgetsch. Lui nous vient du Danemark, il avait remporté une étape au Tour de Suisse à Gstaad, le joker Christopher Juliansen. Et à l'extrémité droite du podium, il représente la Nouvelle-Zélande. Il a levé les bras sur le Tour de Grande-Bretagne, Utah ou le Herald Sun Tour. C'est Jack Bauer. Et à la tête de cette formation, il avait remporté la Classica San Sebastian. Il a terminé deuxième du Critérium du Dauphiné. Mais il fut surtout meilleur jeune. Maillot blanc en 2016 sur les roues du Tour. Il terminait quatrième. Il a porté le maillot jaune cette année. C'est Adam Yates. Adam Yates et tout le collectif de l'équipe Mitchelton-Scott. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much, gentlemen. And good luck out there today. Lots of ascents and big ones to look forward to with those two, wow, extremely deep and extremely steep ascents, le col de la Madeleine and le col de la Lose. Cinquième au classement général, Adam Yates, lui aussi, eh bien, aura sa carte à jouer dans l'étape du jour. Allez, l'accueil des coureurs continue avec l'équipe Bahrain-McLaren qui nous retrouve emmenée par un coureur qui a hâte peut-être d'en découdre. On en parlait il y a quelques minutes, Michel. Exactement, mais aux côtés du leader de cette formation, il est italien, il a remporté une étape sur les routes de Paris-Nice. On se souvient également qu'en tout début de saison, avec la reprise sur la route d'Occitanie, remporté l'étape de Cap-Découverte, Sonny Colbrelli. Aux côtés de Sonny, il a gagné sur les routes du Giro d'Italia, sur les routes de la Vuelta Espagne, c'est Matej Moric. Et top 10 dans les grands tours au Giro d'Italia, la Vuelta et 11e du Tour de France, c'est Damiano Caruso. Et regardez qui en a plein centre du podium, il a enlevé Liège-Bastogne-Liège. Il y a quelques saisons, il a gagné l'étape sur les routes du Dauphiné également, c'est Wouter Poels. Lui avait remporté le Tour des Fjords, ancien champion d'Autriche, Marco Haller. Et à l'extrémité droite du podium, il représente l'Espagne. Vainqueur d'étape sur les routes du Giro d'Italia. Il a gagné à La Rosière sur le Critérium du Dauphiné. C'est Peyo Bilbao. Et à la tête de cette formation, certains le présentent comme l'un des favoris de l'étape du jour. Il est actuellement 7e au classement général à 2 minutes et 16 secondes du maillot jaune Primoz Roglic. Sur les routes du Tour de France, déjà de nombreux top 10. Une place de 4e, c'était en 2017. 3 fois vainqueur d'étape au Giro. Vainqueur d'étape à la Vuelta, c'est Mikel Landa. Mikel Landa et tout le collectif Bahrain, McLaren, bonne route messieurs. 7e du classement général, Aupa, Benga, Mikel et tout le collectif Bahrain, McLaren. Allez, Bahrain, McLaren nous quitte effectivement. Une nouvelle équipe nous rejoint. Voici la formation Trek, Segafredo. L'équipe Trek qui nous retrouve avec le premier coureur qui est déjà positionné à porter le maillot à poids sur les routes du Tour, ancien champion de Lettonie, c'est Tams Skojenc. À ses côtés, ancien vainqueur d'étape sur les 4 jours de Dunkerque, Edouard Tuns. Un petit peu plus loin sur le podium, il porte un maillot distinctif, mesdames et messieurs, un coureur venu du Danemark, deuxième du Tour des Flandres, il est champion du monde, Mads Pedersen. À ses côtés, l'homme des pavés qui était passé près de la victoire à Cherbourg derrière Sagan, à Épernay derrière Alaphilippe, Jasper Stuyven. Un représentant français dans ce collectif qui a gagné une étape sur la Vuelta du côté de Langliru, c'est Kenny Elissonde.
Il a remporté la course de la paix, troisième du Tour de l'Avenir remporté par Egan Bernal. Cette année-là, c'est Niklas Egg. Et à la tête de ce collectif, mesdames et messieurs, il nous vient de Launceston, Tasmanie, Australie. Dixième participation sur les routes du Tour de France pour ce double vainqueur du classement général de Paris-Nice, Richie Porte. Richie Porte qui était très bien positionné, hein, Michel, il y a quelques jours, très présent dans le final face à Primoz Roglic et à Tadej Pogacar. Oui, exactement. Et Marc Chavez, il est actuellement sixième du classement général à 2 minutes et 13 secondes. Tous les espoirs sont permis. Ah, c'est dommage qu'il ait perdu un peu de temps dans cette étape de l'Avor parce que depuis, il grappille du temps et on l'a vu à l'attaque au Grand Colombier. Allez, on va continuer. Là aussi, l'accueil des coureurs avec l'équipe IF Pro Cycling. Les hommes de rose et de bleu vêtus, bien évidemment, avec le premier coureur qui nous retrouve. Il vient de Roseville, Californie, à quelques kilomètres de Sacramento. Très en vue depuis le début de ce Tour de France, c'est Nilsson Paules. À ses côtés, vous l'avez applaudi il y a quelques semaines. Il s'imposait sur le classement général du Critérium du Dauphiné. Vainqueur au Puy-Marie cette année, Daniel Felipe Martinez. Aux côtés de Danny, on salue un autre Américain. Il a 32 ans, il est originaire de Tacoma. Deux fois cinquième du classement général du Tour, c'est TJ Van Garderen. À ses côtés, il est italien. Il avait terminé quatrième des Strade Bianche. Le vainqueur du Tour des Flandres, Alberto Bettiol. Un petit peu plus loin, il représente la Belgique, originaire de Bruges. Ah, Bruges, la belle. Vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Deuxième de Gent-Wevelgem, c'est Jens Kokeler. Lui découvre le Tour de France, il est britannique, il avait terminé 11e du Tour d'Italie, Hugh Carty. Et à la tête de ce collectif IF Pro Cycling, il a 33 ans, il est colombien, 7e participation sur les routes du Tour de France pour ce coureur qui a terminé deux fois 2e du classement général du Giro, 2e du Tour de France, vainqueur à Chambéry, c'est El Toro de Urrao, Rigoberto Urán. Rigoberto Urán, actuellement 3e du classement général, 1 minute et 34 secondes. Rigoberto, il peut le faire aujourd'hui, l'un des meilleurs escaladeurs du peloton. Le col de la Loz se profile, et pourquoi pas dire hip-hip-hip, Urán au sommet de la Loz. Il peut le faire, Michel, il va le faire, il l'a fait. Est-ce qu'il pourra passer de « il peut le faire » à « il va le faire » C'est la question au moment où on accueille l'équipe Astana Pro Team. Oui, avec un homme qui s'était imposé, c'était du côté de Mende, souvenez-vous, Omar Fraile. Au côté d'Omar, on salue la présence d'un jeune coureur colombien de 23 ans, vainqueur d'étape sur l'avenir, Harold Tejada. À ses côtés, il est espagnol, il avait brillé sur les routes de Paris-Nice, 3e et 4e, l'ancien champion d'Espagne, Gorka Izaguirre. Et à ses côtés, l'actuel champion d'Espagne sur route, mesdames et messieurs, quadruple vainqueur d'étape sur le Tour de France, Luis León Sánchez. Il a fêté son anniversaire lors de la journée de repos en Charente-Maritime. Mais quelques jours auparavant, c'était sa plus belle journée sur un vélo. L'homme qui s'est imposé au Montégoal, le champion du Kazakhstan, Alexei Lutsenko. Le Canada est représenté dans ce collectif. Il a 29 ans, originaire de Sainte-Perpétue, la belle province du Québec. 7e à Saran il y a quelques jours, ancien champion du contre-la-montre individuel au niveau national. C'est Hugo Hull. Et mesdames et messieurs, la tête de ce collectif Astana, il a 26 ans, il est originaire de Pesca, Colombia. Il découvre le Tour de France cette année, il a terminé 3e de la Vuelta, 3e du Giro d'Italia. Es un ave? Non. Es un avion? Non. Es Superman? Miguel Angel López. Eh oui, Superman qui porte bien son nom, il est 4e du classement général. Et vous l'avez vu à l'attaque hier du côté de Villard-de-Lans, il a tenté de grappiller des secondes. Et puis on va bien saluer celui qui fête son anniversaire aujourd'hui, le manager de la formation Astana, ancien 3e du Tour, ancien quadruple vainqueur d'étape, Alexandre Vinokourov, qui fête aujourd'hui son anniversaire dans cette formation Astana. Exactement, très joyeux anniversaire à Alexandre Vinokourov pour l'équipe Astana donc. Vous voyez, ça se passe comme ça, une présentation des équipes, des coureurs, ça s'enchaîne, une équipe bascule, une autre nous retrouve. On va attendre d'avoir encore les unités manquantes pour accueillir l'équipe Ineos Grenadier. L'occasion, Michel, de rappeler que malheureusement, Egan Bernal, le vainqueur sortant du Tour de France, a été contraint à l'abandon. On se souvient du Critérium du Dauphiné il y a quelques semaines où Bernal avait chuté au niveau du dos, il s'était fait mal aux vertèbres. Et c'est vrai que c'est une blessure un petit peu latente dont il ne s'était pas tout à fait débarrassé en arrivant sur les routes du Tour de France et force est de constater. Voilà, on a vu les défaillances, les multiples défaillances hein,
de Bernal depuis quelques jours et il a été tout simplement retiré. Il n'a pas pu faire autrement. Oui, c'était plus sage hein, au vu des blessures que supportait Egan Bernal, le premier Colombien de l'histoire à remporter le Tour de France. C'était l'an dernier le plus jeune vainqueur du Tour également de l'après-guerre. Et on aurait aimé évidemment l'applaudir ici à Grenoble, voir ce qu'il était capable de réaliser. Lui qui vit à plus de 2000 mètres d'altitude, c'était l'étape dont on pouvait penser qu'il serait l'un des héros, l'un des principaux acteurs. Finalement, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. On a appris également qu'il ne serait pas participant dans la liste de départ de la Colombie pour les championnats du monde. Il y aura d'autres échéances à venir et pourquoi pas le retrouver surtout lors du Tour de France 2021 qui partira de Brest pour remporter une deuxième victoire. Allez, on va continuer l'accueil des coureurs dans quelques instants. Il y aura évidemment l'arrivée des maillots distinctifs. On aura aussi le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antergaz que nous allons accueillir d'ici quelques instants. Allez, c'est parti d'ailleurs pour le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antergaz. Mesdames et messieurs, le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz pour la 16e étape du Tour de France 2020 n'est autre que le vainqueur sortant du Giro d'Italia, El Locomotora de Carchi, Richard Carapaz. Lauréat du prix de la combativité, donc, il aura le dossard rouge tout au long de la journée. Il est le seul à avoir ce dossard rouge parrainé par Antargaz. Et on va retrouver maintenant toute la formation Ineos Grenadier. On va retrouver maintenant les leaders du classement par équipe parrainé par Named Sport. La formation leader du classement par équipe parrainée par Named Sport, c'est l'équipe Ineos Grenadier. Et dans les rangs de cette formation, on salue le coureur gallois, 5e du Tour des Flandres, 8e de Paris-Roubaix, c'est Luc Rowe. Il a remporté Milan-San Remo, la Classica San Sébastien, l'Amstel Gold Race, il fut champion du monde, Michał Kwiatkowski. Aux côtés de Michał, il est originaire des Pays-Bas, il a 28 ans, vainqueur d'étape à Champéry sur les routes du Critérium du Dauphiné, 4e du Tour des Flandres, c'est Dylan Van Baarle. L'un des meilleurs rouleurs du monde, 4e des Jeux Olympiques, quintuple champion d'Espagne du chrono, Jonathan Castroviejo. Aux côtés de Jonathan, il a 23 ans, il découvre le Tour de France cette année. Il a été 4e de l'étape de Villard-de-Lans, vainqueur du Tour de Pologne, du Tour des Alpes, Pavel Sivakov. Et dans cette formation, il nous vient du Costa Rica, premier coureur de son pays à disputer le Tour de France. Il a porté le maillot rose sur le Tour d'Italie où il remportait une étape, Andrei Amador. Le collectif Ineos Grenadier, emmené donc par Richard Carapaz, deuxième de l'étape d'hier, porteur aujourd'hui du dossard rouge de combatif à l'issue de l'étape d'hier. Deuxième donc et super combatif, Richard Carapaz. On rappelle qu'Egan Bernal, évidemment, ne sera pas au départ dans ce collectif. Et le tenant du titre qui donc a déclaré forfait à l'issue de l'étape d'hier. Les douleurs au dos étaient trop importantes. Allez, les coureurs vont s'enchaîner, il y en a d'autres qui vont venir nous retrouver. Voici la formation Movistar, avec ses nombreuses étoiles à découvrir ou à redécouvrir. Pour notre plus grand plaisir, l'équipe Movistar emmenée par un ancien vainqueur du classement général de Paris-Nice, Marc Soler. À ses côtés, on retrouve un homme qui s'est imposé à deux reprises sur son championnat national. Il avait remporté des étapes autour du Pays Basque, autour de Catalogne, 4e de Paris-Nice, José Joaquín Rojas. Et à ses côtés, on salue la présence de son compatriote de 27 ans, deuxième participation au Tour de France, ce coureur qui a terminé troisième de l'étape de Ludenviel, Carlos Verona. À ses côtés, un homme venu d'Italie, des Abruzzes, ancien vainqueur d'étape au Tour d'Italie à la Vuelta, c'est Dario Cataldo. Un petit peu plus loin, il représente le Portugal à 31 ans, 5e participation au Tour de France pour ce spécialiste du contre-la-montre individuel. 3e à la Caverne du Pont d'Arc sur le Tour de France 2016, plusieurs fois champion national, Nelson Oliveira. Aux côtés de Nelson, un homme venu de Navarre. Il avait bien remporté par deux fois le top 10 au Tour des Flandres et Paris-Roubaix la même année. C'est le premier Espagnol de l'histoire à avoir réussi cette performance. 11e participation consécutive au Tour de France pour Imanol Erviti. Et à l'extrémité droite du podium, si vous le regardez d'en face, il est Espagnol à 25 ans, deuxième du classement général de la Vuelta en 2018, vainqueur de l'étape d'Andorre, Enric Mas.
Et dans cette formation, mesdames et messieurs, il était une nouvelle fois à son avantage sur les rampes du Grand Colombier. Mais souvenez-vous, sur les routes du Tour de France, il a remporté 4 étapes. Courchevel, Plumelec, Superbès et Peyragudes, il a porté le maillot jaune. Par cette fois, il était dans le top 10 du Tour. Il a remporté la Vuelta, il fut champion du monde. Il a remporté à 4 reprises Liège-Bastogne-Liège et 5 fois la Flèche Wallonne. C'est Alejandro Valverde! El Imbatido, le puncher espagnol à 40 ans, pourrait une nouvelle fois réaliser l'exploit dans l'étape d'aujourd'hui. Pourquoi pas remporter un 5e succès d'étape? On a vu qu'il était très remuant et très à son avantage aux côtés d'Enric Mas. C'était du côté du Grand Colombier. Et oui, il y a une transmission de témoins entre ces deux coureurs espagnols. Oui, exactement. La passation de témoins, la formation Movistar nous quitte. Et là, on va pouvoir accueillir donc un autre porteur de maillot distinctif. Voici, mesdames et messieurs, le porteur du maillot blanc, parrainé par Chris. Porteur du maillot blanc de meilleur jeune, parrainé par les opticiens Chris. Il représente la Slovénie, il est deuxième du classement général. Il a gagné 2 étapes cette année. C'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, le porteur du maillot blanc de meilleur jeune, parrainé par Chris, vainqueur à La Reims, vainqueur au Grand Colombier sur les routes du Tour de France 2020, et l'un des acteurs majeurs pour le classement général, dont on attend un dénouement absolument palpitant dès aujourd'hui. Ouais, et vous avez vu, il était à l'attaque hier avec sa formation dans le final en direction de Villard-de-Lans. Il sera à l'attaque jusqu'au bout, il l'a dit, pour tenter de remporter le maillot jaune. À ses côtés, il nous vient de Slovénie également, double vainqueur d'étape au Giro, dont sur les rampes de l'Etna, c'est Jan Polans. Aux côtés de Yann, on salue la présence d'un Italien de 36 ans, vainqueur de Paris-Tours, Marco Marcato. Il était le dernier étage hier de la fusée UAE Team Emirates. Il a accompagné son leader jusqu'au bout. C'est David de la Cruz. Aux côtés de David, il avait remporté la première étape du Tour de France 2020. Il a été le premier porteur du maillot jaune cette année. Il a remporté par le passé le Tour des Flandres ou Milan-San Remo. Alexander Christophe. Et à ses côtés, ancien vainqueur du Tour d'Alsace, ancien champion de Norvège, Vegard Steg Lengen. Bonne route, messieurs. Merci à cette formation avec Tadej Pogacar. Et oui, aujourd'hui, ce sera la journée de vérité en ce qui concerne le classement général. Et si le blanc se transformait en jaune pour le jeune champion qui n'a que 21 ans et qui crève l'écran. 3 victoires d'étape, 3e du Giro l'an dernier. Allez, on continue l'accueil des coureurs, mesdames et messieurs, avec un autre porteur de maillot distinctif. Celui-ci porte le maillot à poids de meilleur grimpeur, parrainé par Leclerc. Le porteur du maillot à poids, le leader du classement de la montagne, parrainé par la marque Leclerc, c'est Benoît Cosnefroy. Benoît qui continue évidemment dans cette catégorie à 36 points. Il est ex-aequo avec Pierre Roland. Alors il le sait, Benoît, il l'a dit hier à la presse internationale. Eh bien demain, ça sera une autre limonade, hein, tout simplement, avec ces deux ascensions hors catégorie pour le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale. La formation va nous retrouver, le reste du collectif, aux côtés de Benoît Cosnefroy, vainqueur de l'étoile de Bessège, du Grand Prix cycliste la Marseillaise, d'étape sur la route d'Occitanie. Et à ses côtés, on salue la présence d'un coureur qui a fait 2 top 10 sur les routes du Tour cette année pour sa première participation, Clément Venturini. Aux côtés de Clément, un coureur qui a par 2 fois remporté la Bretagne classique, vainqueur de la Polynormande, 2e de Milan-San Remo. Mais c'est surtout aujourd'hui un jour spécial, n'est-ce pas, Oliver? Non? Eh bien oui, parce que c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Oliver Nassen, le champion de Belgique. Un très joyeux anniversaire à Oliver, qui a 30 ans aujourd'hui, le coureur originaire d'Ostende. Et à ses côtés donc, on salue la présence d'Alexis Viermo, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, du côté de Mur de Bretagne. À ses côtés, il était sur ses terres et Villard de Lans hier s'est transformé en Villard de Nance pour celui qui s'est imposé à Loudenvielle. Vous l'avez reconnu, c'est Lise Roy, Nance Peters. Natif de Grenoble, il est chez lui. Et à l'extrémité droite du podium, mesdames et messieurs, à 34 ans, un coureur qui en est à sa 6e participation sur les routes du Tour de France, c'est Michael Schérel.
Toute la formation à G2R La Mondiale avec une opération spéciale aujourd'hui, c'est l'opération Vivons Vélo pour l'Institut Pasteur avec toute l'équipe à G2R La Mondiale qui va eh bien, courir pour cette belle opération. Rappelons que eh bien, depuis 15 ans, le groupe à G2R La Mondiale est sponsor de l'équipe, premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France et qui organise cette année donc une nouvelle fois l'opération Vivons Vélo pour l'Institut Pasteur. Donc à l'occasion de cette 17e étape, à G2R La Mondiale a décidé de marquer le coup et d'exprimer une nouvelle fois son engagement contre les maladies neurodégénératives. Ainsi, AG2R La Mondiale s'engage à transformer les 170 km de l'étape du jour en dons et à les multiplier par le nombre de coureurs de l'équipe. En choisissant cette étape de montagne, AG2R La Mondiale ajoutera donc 1344 km au compteur Vivons Vélo pour l'Institut Pasteur, qui aideront donc les recherches contre les maladies neurodégénératives. Pour exprimer l'engagement de tous les coureurs autour de cette cause, l'équipe AG2R La Mondiale se présente donc sur le podium, équipée de tours de cou et de donc couvre-selles aux couleurs de Vivons Vélo. Merci messieurs, en tant qu'ambassadeur Vivons Vélo, vous pourrez ainsi eh bien, communiquer toute la journée sur les réseaux sociaux et vous aussi, si vous souhaitez, eh bien, faire grimper le compteur et pédaler pour l'Institut Pasteur, n'hésitez pas à télécharger gratuitement l'application Vivons Vélo sur votre smartphone. Je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois parce qu'aujourd'hui, ils rouleront pour la bonne cause. Et le coureur qui passera une 15e journée avec le maillot à pois, Benoît Cosnefroy, ben il a rejoint tout simplement un certain Richard Virenque. C'était en 1996 que Richard Virenque portait ainsi 15 jours d'affilée le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. Et puis Marc, on sait également eh bien, que pour la Belgique, c'est Tim Wellens qui avait réalisé cette belle performance. Oui, effectivement, précision importante. Vous allez télécharger cette application, Michel, on compte sur vous. Hein. Oui, mais je pourrai courir juste après le Tour de France. Très bien, très bien. Nous, on va accueillir et bientôt autre coureur sur le podium, un autre porteur de maillot distinctif. Voici, mesdames et messieurs, le porteur du maillot vert, le leader du classement par points, parrainé par Skoda. Mesdames et messieurs, le porteur du maillot vert, le leader du classement par points, parrainé par la marque Skoda. Il est le champion d'Irlande sur route. Ça y est, il fait partie du collectif de coureurs qui ont gagné des étapes sur les trois grands tours. Il a levé les bras à l'île de Ré sur les routes du Tour de France. C'est Sam Bennett. L'île d'Oléron, l'île de Ré. Il va être rejoint donc par toute la formation de Koenig Quickstep. La formation venue de Belgique qui dispute son 18e Tour de France. Et regardez le coureur qui nous rejoint en tout premier aux côtés du maillot vert. C'est un coureur eh bien, qui nous vient du Luxembourg. Il fut à de multiples fois bien champion du Luxembourg, le vainqueur de la Doyenne il y a deux ans. Liège, Bastogne, Liège, c'est Bob Jungels. Aux côtés de Bob, on salue la présence de ce coureur qui était sur ses terres il y a quelques jours à Clermont-Ferrand. Vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta, c'est Rémi Cavagna. À ses côtés, on le surnomme le tracteur, c'est le tueur d'échappées. Quand il se met à l'avant du peloton, les échappées trépassent. C'est Tim De Klerk. Aux côtés de Tim, un autre porteur de maillot distinctif, nous avons le champion national du Danemark sur route, deuxième du Tour des Flandres, vainqueur de Kürn-Bruxelles-Kürn, Kasper Asgreen. À ses côtés, nous restons dans le Danemark avec l'ancien champion du monde de l'américaine, Mikael Morkov. À ses côtés, c'est le lieutenant, le capitaine de route de cette équipe, ancien vainqueur du Tour de Belgique, du Tour de Wallonie, Dries De Van Eins. Et à la tête de cette formation de Koenig Quickstep, mesdames et messieurs, il a 28 ans, quatrième participation au Tour de France pour ce double vainqueur de la Flèche Wallonne, lui qui avait enlevé la Classicissima de Milan-San Remo, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta, quintuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, il a porté le maillot jaune pendant 17 jours, c'est le Saint-Amandois Montluçonnais, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe et tout le collectif de Koenig Quickstep. Merci beaucoup messieurs et bonne chance et bonne route aujourd'hui à destination de Méribel avec le col de la Lauze. Une ascension redoutable et redoutée par le peloton international. Dixième de l'étape d'hier, il était à l'attaque hier. Encore à l'attaque aujourd'hui Julien ? Ah peut-être pas, ou peut-être que oui, hein, pourquoi pas. Allez savoir, en tous les cas, il a déjà remporté son étape, Julien Alaphilippe. Allez. On va continuer justement en accueillant le vainqueur de la 16e étape du Tour de France 2020. Mesdames et messieurs,
messieurs, le vainqueur de la 16e étape du Tour de France 2020, la Tour du Pin, Villard de Lans, représente l'Allemagne pour cette équipe, c'est Lennart Kemna. Lennart Kemna, qui quelques semaines après un retentissant succès sur les routes du Critérium du Dauphiné à Megève, enlève la plus belle victoire en carrière du Tour de France à l'âge de 24 ans seulement. Il porte le dossard numéro 24, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on accueille le reste de l'équipe, Bora Hansgrohe. Et oui, premier coureur allemand de l'histoire de cette formation allemande, Bora Hansgrohe, s'impose. Lennart Kemna à ses côtés, lui aussi fut champion d'Allemagne. Il a terminé 3e du Critérium du Dauphiné, 4e du Tour, c'était Manuel Burmach. Aux côtés d'Emmanuel, on passe en Autriche. Mesdames et messieurs, il a 26 ans, il a gagné une étape sur le tour du Burgos par le passé. C'est Félix Großschartner. Retour en Allemagne pour celui qui était 3e de la Doyenne, 3e d'Estrade Bianche, vainqueur de Paris-Nice cette année, Maximilian Schachmann. Aux côtés de Max, il est autrichien, il a 28 ans, il a gagné une étape sur le tour d'Italie. C'est Lucas Pösti-Pöstlberger. On va retrouver bien dans cette formation aux côtés donc de Peter Sagan que l'on retrouvera tout à l'heure, un coureur qui avait brillé au championnat du monde de contre-la-montre par équipe, c'est Daniel Oss, le champion italien. Et à la tête de cette formation, Bora Hansgrohe, mesdames et messieurs, il représente la Slovaquie à 30 ans, un coureur qui a remporté Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, 12 victoires d'étape sur les routes du Tour de France, 7 maillots verts, il est le recordman absolu dans ce registre, le triple champion du monde, c'est la rockstar du peloton international, c'est Peter Sagan. Le collectif Bora Hansgrohe, merci messieurs, avec le vainqueur de l'étape d'hier, Lennart Kemna, l'ancien champion du monde espoir. Bonne route messieurs, et on va retrouver dans quelques instants la toute dernière formation à nous retrouver. Je crois qu'ils sont en train de se préparer, on va nous donner dans quelques instants le top départ ici à Grenoble ou direction Méribel, le col de la Loz. Ce sera la 17e étape du tour, 170 km, alors qu'on va se retrouver avec le maillot jaune parrainé par LCL. Et c'est une nouvelle journée en jaune pour le champion venu de Slovénie, Primož Roglič. Le vainqueur du classement général de la Vuelta espagnole l'an dernier, leader du classement général du Tour de France, porteur du maillot jaune ici à Grenoble où est né le maillot jaune il y a 101 ans désormais. À ses côtés, c'est tout le collectif Jumbo-Visma que l'on retrouve, avec un homme qui avait brillé lui aussi sur les routes du Tour de France. Il terminait à la 2e place, il fut champion du monde et vice-champion olympique. C'est Tom Dumoulin. L'accueil des concurrents de cette formation rempli de stars d'étoiles, avec un homme venu de Nouvelle-Zélande, vainqueur du Tour du Piémont cette année, 2e du Tour de Lombardie, George Bennett. Il a crevé l'écran sur les routes du Tour cette année où il s'est imposé à 2 reprises après sa victoire déjà à Albi l'an dernier. C'est le triple champion du monde de cyclocross, Wout Van Aert. On continue avec un homme qui nous vient de Norvège. Il avait remporté le titre national, 2e des 4 jours de Dunkerque, Amund Grøndahl Jansen. Un homme d'expérience dans ce collectif, Jumbo-Visma, il avait terminé 5e du Tour de France, c'est Robert Rensink. À ses côtés, lui, nous vient des États-Unis d'Amérique. Il a fêté son anniversaire il y a 2 jours du côté de Lyon. Il avait remporté l'étape, une des 2 étapes de l'Altiport de Megève sur le Dauphiné, c'est Sepp Kuss. Et dans cette formation, il adore ici revenir à Grenoble. Grenoble où il se souvient qu'il avait remporté un superbe contre-la-montre. C'était en 2011, vainqueur la même année de Paris-Nice. 5 étapes sur les routes du Tour de France. Et ancien maillot jaune, c'est Tony Martin. Tony Martin qui s'imposait donc sur le chrono de Grenoble 2011. Merci messieurs, bonne route. Et une nouvelle fois cette formation qui est emmenée à l'instant par Wout Van Aert qui a rajouté 2 succès d'étape cette année sur les routes du Tour de France. Il totalise 3 victoires. Le maillot jaune Primož Roglič est là, le porteur de ce maillot jaune. Mais nous allons nous retrouver avec tous les leaders, tous les porteurs de maillots distinctifs. Car mon cher Marc Chavez, je crois que vous êtes en train de remonter le peloton ici Grenoble. Terre olympique. C'est une terre de sportifs. Le Tour de France était venu pour la première fois en 1905. Rappelons que c'est ici qu'a été remis le premier maillot jaune. C'était le 19 juillet donc 1919. Il y a 101 ans désormais. Et 101 ans après, Eugène Christophe, c'est Primož Roglič qui va venir vous retrouver. Mon cher Marc Chavez,
on va vous retrouver pour la cérémonie des héros. Effectivement, mon cher Michel Gélisée, juste au moment avec Cédric Marceau, on est en train de remonter le long de la barrière pour essayer de nous frayer un chemin pour rejoindre les coureurs. Ah ben, il n'y en a pas encore, qui ne sont pas encore positionnés donc sur la ligne à partir de laquelle sera donné le départ fictif à 12h15 dans quelques minutes seulement. Et puis, souvenez-vous, il y a quelques temps de cela, lorsque nous avions participé à la présentation du parcours du Tour de France 2020 au Palais des Congrès de la Porte Maillot de Paris et que cette étape avait été présentée et révélée. Et puis, souvenez-vous de la sensation qu'elle avait procurée justement lorsqu'on avait découvert la carte, on avait découvert le sourire, le souvenir Henri Desgranges, le toit du Tour 2020 avec cette étape Grenoble-Méribel, Col de la Loze, 170 km et ces deux ascensions hors catégorie, le Col de la Madeleine et puis le Col de la Loze, effectivement, 17 km, 100 mètres d'ascension au kilomètre 107 à 8,4% de déclivité, suivi par un final à couper le souffle, 21 km 500 à 7,8% de déclivité moyenne, mais au-delà de ça, ce sont les 5-6 derniers kilomètres qui sont extrêmement pentus et qui vont nous offrir tout simplement un spectacle à couper le souffle tout à l'heure, à ne manquer sous aucun prétexte. La ligne d'arrivée est d'ores et déjà dressée du côté de la route du col de la Loze, le toit du Tour, au moment où les premiers porteurs de maillots distinctifs nous rejoignent sur la ligne avec notre traditionnel barrage de photographes et nos amis les élus, les personnalités qui sont avec nous ce matin pour assister donc et participer à ce départ historique de la localité de Grenoble, la ville qui nous accueille pour la 41e fois. Et c'est Sam Bennett, le porteur du maillot vert, leader du classement par points, parrainé par la marque Skoda, tout naturellement, qui est le premier sur la ligne, le champion d'Irlande sur route, qui a troqué son maillot de champion national pour un autre maillot distinctif, le maillot vert du Tour de France, cher à Peter Sagan. Sagan qui l'a remporté à 7 reprises. Y parviendra-t-il pour une 8e fois cette année? Grande question. Sam Bennett est pourtant très très bien parti dans la course pour ce maillot vert. Affaire à suivre. Aujourd'hui, nous partirons sur les routes de deux départements, le département de l'Isère, le département de la Savoie. Et puis, souvenez-vous, Grenoble, évidemment, il y a toute l'histoire. Le premier maillot jaune, on en parlait avec monsieur le maire Éric Piolle il y a quelques dizaines de minutes. Mais en 2011, l'histoire récente du Tour de France, c'est à Grenoble, à l'occasion de la pénultième étape, que Cadel Evans s'est emparé du maillot jaune au dépendant d'Ischlec. Et dès le lendemain, il était sur la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. Et il devint le premier coureur venu d'Australie à remporter le classement général du Tour de France. Qu'en sera-t-il pour cette édition 2020 absolument palpitante? On a deux coureurs slovènes qui se tiennent à une quarantaine de secondes, extrêmement puissants, extrêmement forts en ce qui concerne les acteurs majeurs du classement général. Aujourd'hui, c'est le jour J, ça sera bientôt eh bien, l'heure H, et la minute M ou l'instant T, appelez-le comme vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est là que ça se passe, tout simplement dans un petit peu plus de 3 minutes et 30 secondes. Nous pourrons encourager l'élite mondiale du cyclisme sur leur premier coup de pédale à destination de Méribel, le col de la Loze. Méribel qui nous accueillera également demain matin à l'occasion du départ de la 18e étape. C'est vrai que Guillaume Martin déclarait dans la presse internationale, ça sert à rien d'y aller la semaine prochaine, ce qui veut dire que c'est maintenant ou jamais pour cette édition 2020 du Tour. Au moment où un autre porteur du maillot, de maillot distinctif, nous retrouve sur la ligne, c'est Benoît Cosnefroy qui vient de se débarrasser de son masque effectivement dans une poubelle prévue à cet effet. Benoît Cosnefroy qui vit un véritable rêve avec le maillot à poids de meilleur grimpeur parrainé par Leclerc, solidement installé sur ses épaules avec 36 points, il est à égalité avec Pierre Roland. Il a un petit sourire en coin de bouche, parce qu'il sait qu'aujourd'hui il va y avoir des points à aller chercher. Et c'est une aventure qui dure depuis des jours et des jours pour Benoît Cosnefroy. Quelle belle saison et quel beau Tour de France pour Benoît Cosnefroy. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau du classement de la montagne à l'occasion de cette 17e étape. Un départ dans 2 minutes et 30 secondes. Mesdames et messieurs, deux difficultés, un sprint intermédiaire et un autre porteur de maillot distinctif nous retrouve. Il s'agit du meilleur jeune actuellement parrainé par Chris. Il s'agit de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui lui voudra troquer le blanc pour le jaune. Naturellement, pourra-t-il détrôner son compatriote slovène Primož Roglič qui va nous retrouver incessamment sous peu. On salue la présence également de Lennart Kemna, le coureur allemand de la formation Bora Hansgrohe qui a remporté l'étape de Villard-de-Lans à l'occasion de la 16e étape du Tour de France 2020. Quelques semaines après avoir triomphé au sommet de l'Altiport de Megève sur les routes du Critérium du Dauphiné, il a été plus loin encore. Il a été jusqu'à une victoire d'étape sur la plus grande compétition de cyclisme au monde.
le Tour de France. Il rejoint donc désormais par Richard Carapaz, le vainqueur sortant du Giro d'Italia, qui avait enlevé le classement général du Tour d'Italie, c'était l'année dernière. Nous sommes à 1 minute et 30 secondes du départ fictif de cette 17e étape du Tour de France 2020. Moins de 90 secondes avant d'envoyer les meilleurs coureurs cyclistes de la planète Terre à l'assaut du col de la Lose, qui pourrait se transformer pour certains en col de la Lose. Mais ça, c'est une autre histoire. Des éléments de réponse par rapport au scénario qui va se dérouler tout à l'heure, d'ici quelques dizaines de minutes, quelques heures même. Primoz Roglic est avec nous, le porteur du maillot jaune, leader du classement général. Parrain et parrainse, elle est là, après, évidemment, à faire ce qu'il faut. Nous sommes à 1 minute! 1 minute avant d'envoyer les coureurs du peloton international sur leur premier coup de pédale. On se prépare également du côté de nos amis les élus, les personnalités qui vont avoir l'honneur et le privilège d'abaisser le drapeau du top départ. Dans 45 secondes seulement, on va partir en direction de Méribel, mesdames et messieurs, tous ensemble, cette ville de l'innovation, ville d'histoire, ville de Jeux Olympiques, ville qui est intimement liée à l'histoire du Tour de France. Souvenez-vous, ce premier maillot jaune, c'était en 1919. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, l'aventure continue. Le relationnel étroit entre Grenoble et le Tour de France continue dans 20 secondes. On va les encourager tous ensemble. Mesdames et messieurs de Grenoble, je vais le dire quand même s'il n'y a personne pour décompter avec moi, je me sens bien seul. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti! Le drapeau du top départ a été abaissé par Éric Piolle, maire de Grenoble, accompagné par Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole, et Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère. Et ainsi démarre donc cette 17e étape du Tour de France 2020.